Bon, les gars, on va pas se mentir, on a une équipe de fous, en vrai. Mohamed Salah, paqué, Lionel Messi, qu'on vient de paquer, Casemiro, qu'on a paqué, Marquinhos, qu'on a paqué, Hakimi, qu'on a paqué, Virgil, qu'on a paqué, Thuram, qu'on a fait évoluer. On a acheté Crespo, on a acheté Dembélé, on a acheté Martinez et Karchaoui aussi qui doit jouer ici, mais pour le match là, il jouera pas parce que je fais un défi où il faut un joueur en route de l'élimination. L'équipe est incroyable, hein, en vrai, c'est fou. Bah, maintenant, on verra un peu ce que ça donne. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Vraiment, c'est de la folie d'avoir packé ça en début là. De nouveau Messi, hein. De nouveau Messi, mine de rien, c'est assez fou. Et là, on va regarder. Donc là, je vais jouer en 4-4-2 à l'heure actuelle. Donc Messi en pointe quand même. Mais on verra si on va modifier tout ça ou pas. Puis bah let's go, hein. Let's go pour le fun, hein. Mais l'équipe aussi en face, on va voir ce que ça donne, les potes. Timo Werner, t'as tout le monde, hein. T'as trop de gens qui ont fait Werner, c'est ouf. On a une magnifique équipe. Après bon bah avoir une magnifique équipe c'est une chose, hein. Savoir jouer c'en est une autre, bien évidemment. Donc on verra ce que ça donne. Et puis bah let's go, hein, tout simplement, hein, pour le fun. Donc là c'est la coupe RTTK, je crois que t'as 4 matchs par jour. Et il faut que tu fasses des victoires et tout. Alors je sais pas combien de jours ça dure. C'est vrai que j'ai pas pu jouer, je sais pas si c'est le premier jour là ou pas, mais en tout cas ce week-end j'ai pas joué quoi, quoi qu'il arrive. Donc on verra un petit peu ce qu'on arrive à donner. Ouais. Ok, vous avez vu ce qui s'est allumé sur la tête de Mohamed Salah ? C'est-à-dire que si vous arrivez à rentrer dans les 16 et faire une frappe enveloppée, c'est incroyable. J'ai vu son style là, quand je l'ai mis dans l'équipe, j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait. Justement, son style disait, quand il frappe en finesse et tout, etc., une précision accrue. Bon, ok, ça va pas mentir. Si tu arrives à rentrer dans les 16 avec Mohamed Salah et à faire une frappe en finesse... Alors, frappe en force, je sais pas, ça marche, mais frappe en finesse, en tout cas, c'est violent, hein. Et Messi, ok, non mais ouais. Ouais, non mais c'est impressionnant, attends. Il est pas scandaleux quoi, dans la logique pourquoi pas, mais regarde où il la met quoi. Ok, ça a l'air fort, hein. Effectue vraiment plus rapidement les tirs en finesse avec un effet maximum et une précision exceptionnelle. Ouais, bon, bah, on a compris, hein. Mais s'il l'a, mais pas en or, tu vois. Sympa. Et voilà, c'est le premier match. Mais chaque poste est quand même très, très solide, je trouve, hein. En termes d'équipe, là, c'est fou, hein. Alors, Ederson, Ruben Dias, Stone, Shaw, De Bruyne, Guimaraes, Sterling, Nunez, Gabriel, Jesus, Madison, sympathique. Je sais pas pourquoi, j'ai pas peur des gens qui ont fait un De Bruyne. Tu sais, je suis trop en mode je juge. Mais pour moi, les gens qui ont fait un De Bruyne en début d'année à 87, l'investissement est-il vraiment super rentable. Bon, après, peut-être qu'il a eu masse doublon et qu'il s'en fout, c'est possible aussi, mais... Pour moi, c'est soit t'es fan de City et ça te fait kiffer d'avoir cette carte-là, soit tu le fais pas, en fait. Oh, putain, on va le passer à côté, engagement. Non, il a cru qu'on était qui, frérot. Ça met une pause sur un 1-0, s'il te plaît, Antonin. Calme-toi. On se souvient qu'il a mis pause, hein. Ça, on l'a pas oublié. Elle arrête. On peut essayer aussi la tête de Crespo. Hein. Ouais, tu vois, c'est tête puissante et tout, etc. C'est assez sympa. Hein. Il y a personne qui est resté dans les 16 pour jouer la balle. Heureusement que t'es pas malin. Hein. Faut que je fasse gaffe aux contre-attaques parce que je domine un peu trop là. Belle passe de Casemiro ici. On essaie de toucher Messi. Ah non. Allez hop. Alors on se souvient, malheureusement, hein, j'aime pas faire ça les gars. Mais voilà, on va lui proposer. Pour une fois, t'as beaucoup de points favorables. Frérot, j'ai l'équipe pour. Hein. Ah, laisse tomber, hein. C'est grave. Hein. Ça facilite le truc, hein, en vrai. Mais faut pas que je sois matrixé par les frappes de ça là, tu vois. Parce que je tente un peu trop des frappes qui sont pas possibles. Hein. Il y a des gens devant. Faut vraiment que je joue quand même un peu plus simple. Mais ouais, l'équipe elle est forte. Hein.
C'était bien joué encore une fois, mais j'arrive pas à trouver la dernière passe quoi. Bien joué Martinez, j'ai kiffé ça, ouais. Tu m'as bien aidé là. Par contre, Martinez il est régalade là. Hein. J'ai rarement un gardien qui fait des arrêts comme ça. Hein. Par contre, faut que je le tue là, hein, parce qu'il est dangereux. Attends, j'ai Messi au coup franc, non? Ouais, pas Virgil, non. En vrai, je sais pas les tirer le coup franc, je vais pas mentir. Hein. Mais je tente. Ouh, c'était pas loin. Garde la barre en haut. Ah, dommage, t'as vu? Ouais, vu. Wouah. Hein? Je pense que là, il va marquer, non? Ah, la faute, elle était incroyable. J'ai lâché. J'ai pas... La défense, elle est pas assez bien en place. Ah, c'était sûr. Ben, voilà. C'est... Je peux rien faire pour toi, quoi. Let's go. Bien joué, Messi. Il y a trop d'espace. Nul devant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? On prolonge. Dommage. Il aurait mérité une petite correction avec son pause au début du jeu, lui. Mais bon, c'est pas grave. Parce que je suis meilleur devant, quoi. C'est tout. Si je suis meilleur devant, je finis le jeu. Enfin, je finis le match, là. Donne-moi la balle. S'il te plaît. Crespo, c'est un peu bizarre parce que tu vois, ils te disent qu'il a un bonus physique et tout, la tête, là, il va avec le pied. Voilà, bien mon petit Crespo, ça fait plaisir que tu marques un petit but quand même. Beau placement, belle finition. Très bon tacle. Rien à dire. Putain, rouge, mais arrête. Pourquoi je me prends des rouges à chaque fois, moi? Oh, bonjour à la bugger. Pourquoi je me prends des trucs? Alors oui, bon, oui, le tac est un peu virulent, hein. Non! Ah, c'est dur, ça. Je vous présente Rolfo. Oh, putain, dommage. Ça aurait été incroyable. Il a posé la mettre ou il l'a pété, je sais pas trop. J'arrive même pas à marquer s'il joue pas, frérot. Je crois qu'il a pété sa manette. Oh putain! Oh mais. C'est imparfait. Vous voyez quel monstre? Ouais, il fait du bien, il est bon. Hein. C'est très bien ce qu'on doit faire pour marquer, hein, mais on n'a pas trop envie de spammer les trucs hardcore. Donc quand tu vois, quand je rentre dans les 16, je suis pas appuyé sur R1 pour rentrer facilement, quoi. J'essaye de jouer un peu plus legit. Putain, il a John Arneriz. Parce que là, à la base, ce que tu dois faire, depuis là, c'est R1. Tu rentres dans les 16 et tu frappes quoi tu peux. Voilà, tu vois, c'est simple à la base. Hein. Même là, tu pourrais le faire, hein. Mais bon, on n'a pas envie, quoi. Ah, j'ai dû trouver quelqu'un de libre, mais c'est vrai que si t'as pas, c'est bien dans les 16, mes joueurs. Ouh! Pas loin, hein. En plus, j'ai tenté un time finishing, les gars, parce que je m'entraîne dessus. Il était vert, hein. Je suis déçu. Hein. Mais oui, Léo! On va mettre ça là. Allez, dernier match. Tu sens que ces trucs là, ces styles de jeu sont méga cheatés.
rapace à gauche. Bim. Bah la précision était bonne, non? Ouah, j'ai dû rater. Ouah, la minace qu'il a mis au-dessus. J'ai tué quelqu'un là dans les tribunes. Bel arrêt. Finis-le là. Voilà, putain. Ouais, tu vois, ouais. Les joueurs font grave la diff par rapport à ce que j'avais avant. Oui, c'est une certitude, hein. Les joueurs sont vraiment très bons par rapport à avant. Ah, disons, enfin, c'était pas dégueulasse avant, mais j'ai vraiment... Tu sens qu'on a augmenté en qualité, hein. Sur les côtés surtout, c'est impressionnant, hein. Dans un SBC qui, au final, le joueur va être jouable peut-être uniquement... Oh là là, Marquinhos. Oh là, mais ça va, il... Voilà. Allez, ça gagne. Quatrième match et quatrième victoire avec cette équipe. Elle est quand même assez folle, hein, bien évidemment, en coupe RTTK, donc c'est cool. On a bien avancé aujourd'hui. Bah, 4 matchs, 4 buts pour Messi. Salah, 4 matchs, 4 buts. Crespo, 4 matchs, 2 buts, 3 passes D. Dembélé, 4 matchs, 1 but, 2 passes D. C'est pas mal, hein. Tu penses qu'un jeu de foot peut arriver à dépasser FIFA? Ça va avoir du contenu beaucoup, en termes de gameplay, sans aucun doute. Même peut-être à l'heure actuelle, il y a déjà des jeux qui sont devant. Mais c'est le contenu qui manque énormément.